Ouais, mais je crois qu'on est un peu trop élevé là pour ce genre de quête. On va pas. Oups, j'ai cliqué en dehors du jeu. On va passer par. Là, y a rien, c'est où on a vu. Ici, on a vu. On va passer par le pont, tiens. Qui pourquoi t'avances pas toi? Je crois que la poule elle fout le bordel dans mon équipe, c'est abusé. Oh, il y a un hôtel. Oh, on va faire peut-être un sacrifice. D'abord on va aller voir le prophète embrasé. Il y a rien. Je dois avouer quand même, Divinity, c'est pas un jeu que j'aurais fait en playthrough no, genre normal, hein, parce que putain, genre faire 100 vidéos comme ça, à parler à moi-même, ça serait vraiment la merde. Here lies Patrick, prophet. He perished in this place. The statue stands before you in silence. It reaches to the heaven. The cleansing fire has its purpose. But Bracchus's actions were simple barbarism. Lucian's teeth. These torches will not stay lit. Ah, on a un petit puzzle avec des torches. Nous avons essayé d'allumer les torches à côté de la statue, mais elles sont bien vite éteintes. Ça marche. Alors, vas-y, poussez-vous les gens. On y va seul. Est-ce qu'on a un sort de feu en AOE? Bonne question, bonne question. Le lézard peut-être? Est-ce que ça... Bah déjà on va voir si ça marche. Est-ce que t'en allumes deux à la fois ou pas? T'en allumes deux à la fois, ça marche. Oh, fait chier. Est-ce qu'on a combustion? Ah, je crois qu'elle a combustion, elle. Combustion. Rupture de tendon. Combustion. Hop. J'ai l'impression de jouer à un Resident Evil. Là. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Combustion, c'était parfait. Oh, le sort embrasement, c'est quoi le sort embrasement, putain? Oh mon dieu, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Je sens que je vais devoir retourner à la ville et acheter des sorts. Alors, non, peut-être que je l'ai dans le sac. Est-ce que j'ai des sorts de feu en AOE? On a Supernova. Mais c'est bizarre que... on va retester en combustion vite fait. C'est énorme. C'est bizarre que ça marche pas en fait. Ça me perturbe. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Pour les ennemis autour de vous et leur inflige des dégâts. Donc ça met le feu aux surfaces vulnérables en plus. Très bizarre. Supernova, on a boule de feu et on a invocation de la limace. Est-ce qu'on a un parchemin? Bien, bien vu, bien vu. On va regarder les parchemins. Qu'est-ce qu'on a? On a boule de feu, épidémie de feu. Ça, on va le garder par contre, parce qu'on va essayer d'en faire un sort si on a besoin. Faut qu'on fasse hâte. Non, on n'a rien d'intéressant. Fais chier, merde. Bon, supernova, est-ce que ça va marcher? On va sauvegarder. Une grenade de feu. Les grenades, je pense qu'elles ont pas assez de... La haut est pas assez grande. Je crois que j'en ai une.
Ça, c'est grenade éblouissante, par exemple. C'est qui l'a? Vas-y, on va voir. Alors. Ah, putain, non, ça a une... Ça, ça a une bonne portée, mais bon, c'est éblouissant. Est-ce qu'on a une grenade de feu? Oh putain, non, ouais, je vais devoir aller au marché, je crois. Une flèche de feu, peut-être. Ah! Il y en a qu'une seule. Qu'une seule qui s'est allumée. C'est pourri. Est-ce que si je fais tout péter par contre? Il faudrait de l'huile. Est-ce que t'as des flèches d'huile toi? Une flèche explosive. T'as pas les trucs pour mettre de l'huile par terre? Putain, on est en train de faire un putain de bordel juste pour... Ça c'est... Est-ce que si je me mets là... Ça marche ça ou pas? Ça marche. Alors, fous de l'huile par terre. Fais une flaque de pétrole dans la zone. Voilà. What's happening to the shrine? Bah je sais pas, on a foutu du feu partout. As the torches around you flicker and crack to life, you hear a low groan. It starts soft, then crescendos until your chest rattles and your head buzzes. Bracchus Rex! God damn you to this hell in which I suffer! Wow. God damn these burning flames! Wow. Bourdouiller Nexus, ça lui fait mal quand on allume les torches. Rester immobile, tous les sens en alerte. La statue, elle parle dans les esprits. Lui demander quelle horreur le roi fou lui a fait subir. All that's twisted, all that's profane, all that's immeasurably cruel has been touched by Bracchus' withered hands. I knew him, I knew his secrets. I saw his rise and fall as woven into the tapestry of time. He branded my truth as blasphemy, and I burn for it! Just when the agony subsides, another pilgrim makes her way to the shrine and puts flame to the torches. They think to honor me. Instead, they incinerate me! Ah, bien. Lui dire que vous avez vu de vos propres yeux les horreurs... Que peut-il vous en dire? Demandez ce qu'il faut savoir si vous... Volumes, but the prophecies are meant for divine. Wait. You. It's you. Wow, oui, c'est moi. I see it. You too follow a path consumed by fire. You must take my gift from among the flames. With it, you will know truth. With it, you can... Bracchus! The rumble reaches a deafening forte, then... Niveau 10, mais c'est de la merde. On va prendre ça, ça a le plus d'argent. The statue is a... Un titre gravé, blablabla, gravé sur la couverture de l'épée livre, Chronique de l'âge éternel. Je veux tourner la page, je voudrais tourner la page, je voudrais tourner la page, merci. Ok, je vais me faire foutre. Tourne la putain de page. Merci. J'étais environ dans la ville, le néant, et au milieu du silence naquit un bruit de nul autre pareil. Martèlement lent et régulier. D'accord, cool. Here lies Patrick. The statue stands. Bah voilà, c'est bien.
ça nous a rajouté une quête ou pas? Non. En fait, ça servait à quoi, ce truc, là? On a récupéré le livre. Et c'est tout. Je veux des récompenses, moi, merde. Là, c'est où c'est qu'on a tué les nains. On continue. Je crois qu'on arrive bientôt... Ouais, ça, c'est où c'est qu'on avait tué aussi les nains. Parce que les nains, j'en ai tué, quand même. Par contre, j'ai pas envie de passer par là. On va passer par là-bas. On va pas passer par là parce qu'il y a la poule, en fait, va crever. Enfin, elle est un peu conne. Donc j'ai pas envie qu'elle crève. Elle a un peu demeuré. Un tout petit peu demeuré. Donc on va passer par là. Qui c'est qui a besoin de source? Toi, t'as besoin de source. Bon, ça va, on s'est bien débrouillé avec le coup de la flamme, là. En foutant le bordel, mettant de l'huile partout, du feu et tout, ça marche. Les explosions et tout, c'est... Jouer à la Michael Bay, ça marche très bien. Est-ce qu'elle est bonne, la poule? Faudrait la soigner. Faut soigner la poule. On y va. Et j'allais dire, c'est là qu'on peut pas rentrer et qu'on peut rien faire. Cric de la faucheuse. Ça sent les combats à répétition ici. Ça sent les combats à répétition. Là-bas, il y a encore du... Il y a encore du terrain derrière le mur. Bon, je peux pas regarder. On va se mettre... Ah, c'est bon. 400, 200, c'est bon. Tu vas passer en premier. Looks like this is Lohar's place. What's left of it. There's a void working on the bridge ahead. But where's it going? Quoi? Il y a un void walker machin sur... Il y a un nain. Il est où ton truc sur le pont? Là, j'en sais rien. Good gods. What happened? Parlons au nain. The dwarf rocks on her haunches, gnawing at her own bloody knuckles. Her wet, fearful eyes flick to you. She lowers her fist just enough to hiss a warning. Away! Away! Too noisy! It'll come back! It'll take me too! Directement lui demander genre, est-ce que les corps qu'on a vus, c'est tes compagnons qui se sont fait tous massacrer ou pas? Non, on va être plus gentil. She shrinks into the fetal position. He'll come back! He'll come back! He'll come back! He'll come back! And we'll all be eaten alive! Claquer des doigts, exiger qu'elle se concentre, non. Lui tendre la main afin de la réconforter. Get away from me! You're already dead! You're eaten alive! Eaten alive! Get away from me! She clamps her hands over her ears and... Sympa. Nous avons trouvé une naine survivante au milieu des multiples cadavres jonchant le sol de la glotte. Quel carnage, impossible de savoir si le pauvre a bien pu le voir, mais le terreur semble lui avoir fait perdre la raison. Nous ne comprenons rien à ce qu'elle raconte. Ça n'empêche pas de la voler. Hein? N'empêche. Ah là, il y a un rat. Bah, franchement, celui-là qui a défoncé les nains, je devrais le remercier parce que j'aime pas les nains. La poule, elle est pas là par contre. J'ai l'impression que la poule, elle nous suit pas dans les grottes en fait.
Ok, on avance. On va parler au rat. Ah, il y a un truc là sur la map. Il y avait un point vert ici. Ouh, la sauvegarde automatique. Get out before he knows you're here. You think I stopped to get a name? They locked him up, but he got out and they went crazy. They all went crazy. Run. If you know what's good for you, run. Ouais. Peut-être demain on partira, ouais. Peut-être. Mais pour le moment. Ouh. Oh, what? Wow, shit! Wow, vos armures! Putain! Encore vos vies, ça passe, mais les armures, 600. Faut du gros physique là. Faut du gros gros physique. Faut du très gros physique. Où tu vas? Combien de fois tu joues? What? Incapable de bouger, ou d'esquiver, ne peut pas être pris pour cible pour les compétences de téléportation. Vitesse de déplacement, esquive. Ok. What? Qu'est-ce que t'es en train de me faire? Merde. Ça va être relou. Ça va être relou. Très relou. Ils ont trop de... Ils ont trop de points d'action. Ils ont grave trop de points d'action. C'est abusé. Après, si je leur enlève la... L'armure, ça passe, mais... Bon, là, avec des gens en moins comme ça, c'est un peu la merde. On va voir ce qui se passe. Il y a une... Pourquoi il y a une sauvegarde automatique? Ah putain, arrête de faire n'importe quoi. Nous sommes fait attaquer par un néant qui nous a fait pour nous entrer dans la profondeur de la grotte. Oh, en fait c'est fait exprès, non? Non? On va voir. En tout cas, il nous faut de l'armure magique. Alors... Cool. Cool. Sébil s'est fait avaler. Et je pense que c'est fait exprès, plus ou moins.
Donc on a la chaîne. Vague de poison. Voilà, comme ça nous on est tranquille. Hémorragie. Ouch. 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 Get your damn dirty claws off me. Ma poule. Ma poule est de retour. Pourquoi ça fait que sauvegarder? En fait, je suis censé me faire prendre, c'est ça? Mais là, je suis en train de le défoncer, c'est ça? Non, c'est pas ça. Apparemment, le totem, il a... Il a monté de niveau apparemment. Je sais pourquoi, j'en sais rien, mais. Qu'est-ce que tu fais? T'es bugué, arrête. Ah, malédiction sur la. Sur la poule. Or là tu vas prendre cher. T'as fait malédiction sur la poule. Ah là non, là non, là ça marche pas comme ça la vie. Ça marche pas comme ça la vie, qu'est-ce que tu me fais toi? Où tu vas? Ah! Il va me défoncer ma poule. Vas-y, il va pas me tuer quand même. Il va pas me tuer, je suis cool. Oh, oh. Ah putain, il m'a eu. Merde. Putain, on allait le défoncer, fais chier. What happened? Ah putain, on y était presque. On va sauvegarder. Putain, j'ai failli le défoncer seul, c'était classe. On est tous dans un endroit différent en fait. Faut voir la map. Qu'est-ce que c'est loin? Ok, cool. Sympathique. Œil visqueux. Non. Œuf. Œuf visqueux, pardon. On va d'abord jouer le... I wonder where the others might be. Le lézard. Ah, j'ai failli gagner, ça m'a dégoûté, là. Enfin, gagner. On défonce les œufs ou pas? On va défoncer les œufs. Pas eu un bug là? Bah, personnellement, bah, j'en sais rien, mais je pense pas, non?
On a juste... Le combat, il était trop dur. Enfin, il s'est fait exprès, je pense. De nous attraper, de nous envoyer aux quatre coins de la grotte. Mais après, avec Vlad... On l'a presque défoncé, en fait. De la merde. Qu'est-ce qu'on peut check? Il n'y a rien à check en fait. C'est dégueulasse. Ouais, il n'y a rien à check en fait. Là, il y a des œufs encore. Je les vois pas. Je les vois sur la map, mais je les vois pas. Ah, ils sont là, d'accord. C'est ça, mais t'as un perso en combat normalement. Bah, là, y a plus personne en combat. Jean Pigel. Ça arrive souvent, à chaque fois je dis par exemple d'arriver là, mais le mec il arrive à côté. Oh mon dieu. Là par contre ça va pas le faire là. Seul ça va pas le faire. Seul je vois pas trop comment le faire. Ou alors on s'échappe. On pourrait passer par là à la place. On va tester. Si on arrive à lui enlever le bouclier, l'armure et de le faire tomber à répétition, mais ça m'étonnerait. On va voir. J'ai envie de tester. Ah, peut-être que... Il tape sur les deux. Sur les deux armures par contre, ça c'est un peu la merde. Bloqué, brûlure. Pourquoi, j'en sais strictement rien. Ouh la vache. Le bordel qu'on vient de faire. On va faire ça. Peut-être qu'on y arrive. Hein. Oula. Peut-être qu'on y arrive. Mal. Ah putain, ça va pas le faire. Il nous a bloqué. Je crois.
état de choc. Ah, on aurait pu... Ah, on aurait pu... Fait chier. Là, ça aurait pu passer. Mais... Le coup du gel, en fait, ça a pas fait. C'est pas bon. Bon, on était proche. Parce que j'avais encore pas mal de... d'habilité pour la défense. J'avais le truc pour me remettre du bouclier, pour bloquer les attaques. Enfin, voilà. Pas grave. On va fuir la prochaine fois. Merci. Ah, oh, presque. Into the dark with you. Comment? Merci. Ok, on va passer par l'autre côté. I wonder where the other might be. MJD, merci pour le follow et bienvenue. On a une porte fermée, on va s'envoler. Ok. Bon, par contre, il y a beaucoup de caisses. J'ai pas envie de tout péter. Ça bouffe du poisson, ces conneries, en fait, parce qu'il y a du poisson de tous les côtés. Après, je pense que si le prince, en fait, il faisait plus mal avec ses dégâts physiques, en gros, ça se traduit par lui mettre une arme à deux mains. Je crois que j'en ai une. J'ai ça, par exemple, 49-54. Ça serait pas mal. Mais le coup, bah du coup on perd genre ça par exemple, genre 160 d'armure physique, 110 de magique. Et une chance de bloquer. Mais c'est vrai que ce serait pas mal peut-être d'utiliser ça à la place. Clé de la salle des tonneaux. Lucky find. Qu'est-ce qu'il y a là? Yeah. La chance qui nous sourit. Ok, il y a un mec qui est affolé. Peut-être qu'on peut faire équipe avec lui, non? Oh la vache. I can't hear nothing. Nothing but that voice. Grande potion de résistance. It won't stop, it never stops. The dwarf starts to sob quietly, with his hands pressed over his ears. Lui demander où est Mordus. The dwarf turns, startled by your voice. There's a look of... Mordus? He was here. Locked away, waiting for Lohar. Then... The dwarf turns away and roars at a shadow.
Oh, shut up. Stop. Please, just stop, please. He grabs your arm, pawing at you while his mouth moves silently. His blue eyes swirl, turning an oily black as you watch. Ouais, il devient fou, il va nous attaquer. You wriggling little worms. Merde, il y en a deux. Ah mais allez-y mollo quand même parce que... Eh oh. Voilà. Pourquoi il brûle direct? Il a peut-être pas de défense contre les éléments, c'est bizarre. Ça a pas touché l'autre. Est-ce qu'on a d'autres trucs pour faire tomber? Non. On va défoncer l'élémentaliste en premier, je pense. Ah, magique, mais au moins on lui a fait des. On l'a. Ça. Glory is mine. Va pas dans mon dos. Ah, il m'a fait une attaque sournoise de loin. Est-ce que t'as de l'armure ou pas? Non, t'as pas de l'armure. Oh la vache, ouais, on va tout détruire si je fais ça. Ouais, on va pas faire ça. On va faire ça en dernier recours si vraiment on en a besoin. Te soigne pas! Oh merde! You will die. You will all die. J'ai pas l'air con. J'ai vraiment pas l'air con comme ça. Merde, manqué, putain, tu fais chier. You will die. You will all die. Un peu long le combat. Mais bon, comme ça. Ah,
Est-ce qu'on peut se passer la paillasse et se reposer les uns les autres? Ça serait un peu con quand même. On va le faire si vraiment on en a besoin. Ouais, poche magique, ça a marché. Ouais. J'aime pas trop faire ça en fait. Ça fait un peu. Ça fait un peu de tricherie en fait. Mais bon. Pour l'instant, ça va. On a assez d'HP et tout. On a pas vraiment besoin. Non, pas ça. Putain, prends pas. C'est ça que je vais prendre. Oh putain de merde. On a plein d'objets, on a au moins presque 10 objets je crois à aller vérifier au marchand. On va pouvoir se refaire un équipement entier je crois. Bon, par contre il y a des bestioles, je pense qu'on est sur le bon chemin. Une fois qu'on arrivera ici à la grotte, ah c'est là. Donc, une fois qu'on arrivera ici, on va changer de perso et on les fera se réunir. Par contre, deux secondes, je reviens. On va faire une sauvegarde et petite pause d'une minute. Enfin, je dis une minute, c'est toujours 30 secondes, mais... A tout de suite.
on se retrouve. Alors, voyons voir le chat. Maître du savoir, j'ai dû le virer. Parce que tout le monde a sa petite spécialité. Et maître du savoir, en fait, ça me prendrait trop. Par exemple, Vlad, c'est persuasion. Elle, c'est l'adresse. Lui, c'est le troc. Lui, c'est le porte-bonheur. Donc, peut-être plus tard, on mettra un peu... Après, troc, c'est vrai que dans un sens, c'est moins utile vu que si on vole. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Ouh, t'es quoi toi? Anéant vampire. Oh, tu vas tu tapes deux fois la con de Taras. La con de Taras. Putain, merde. Faites chier. C'est quoi ces merdes qui nous attaquent quoi? Okay. Hop là. On a bien fait de sauvegarder, parce que toi tu fais ultra méga mal. Toi tu fais ultra méga mal. Quoique après, une fois qu'on peut te... Je suis allé trop loin. Oh là. C'était pas assez pour le faire tomber, j'ai merdé. J'ai complètement merdé. J'aurais dû faire une autre attaque, pas l'autre, pas celle-là qui se téléporte, elle est pourrie, elle fait pas mal en plus. Oh, fait chier. Je pense que lui, on peut le tuer. On a trois habilités pour faire tomber. On peut l'enchaîner. Non, ça va. Je pense qu'on peut le tuer, lui. Sinon, on attendra et on fera venir les autres. Mais je pense que c'est possible. Ok. Alors. On s'en tape. On les tuera en AOE. Qu'est-ce que... Il a tapé son pote, non? Je comprends rien. Ah, par contre, là, c'est 3. Oups. Oups. Oupsi. Non.
J'espère que t'as pas des habilités de loin. Si t'as des habilités de loin, explosion de cadavre. Ouh, ça c'est pute ça. Ça c'est pute. Mais moi aussi je peux faire ça. Je peux être aussi pute. Ah, pas mal hein. Kyrios 12, merci pour le follow et bienvenue. Est-ce qu'on a besoin de fortifications? Non. Par contre, on peut encore plus brûler, pourquoi pas. On n'a rien pour faire des dégâts. On peut l'handicaper. On peut utiliser ça pour le bloquer au sol, par contre. Mais bon, vu qu'il est devant nous et qu'on a 3 points, si on s'enfuit, il va nous taper. On va juste tanker, je crois. Oh non, on aurait pu le tuer. T'as trop merdé. Non, tape-le. Tape-le. Non, tu peux plus. Tu peux plus taper. Sauvegarde. Ça va. J'aime bien le coup du... de notre tank. Il est pas mal quand même. Il peut faire tomber à répétition et tout. C'est classe. C'est cool. Alors après, là, je suis en train de me dire, vu qu'on débloque ça, là, on va débloquer ça normalement s'il n'y a personne qui nous arrête. The blindfolded statue. Your body is still, but your soul floats upwards. Donc, en gros, techniquement... On va pas le faire parce que ça serait un peu... Ça serait pas drôle. On peut tous partir avec point de passage maintenant. Et on peut juste se téléporter dans les profondeurs. On est d'accord. En gros, on peut faire ça, je pense. Mais bon. On va essayer de jouer les 4... Enfin, les 3 maintenant. Les 3 persos comme ça et les faire sortir un par un. Ça peut être plus marrant. The dwarven woman hums to herself as she works with total focus and concentration. Her ears twitch as you approach, but she does not turn to you. Flacon de parfum vide. Yes. Non, est-ce qu'elle fait en regardant les appareils complexes disposés devant elle? She turns to peer up at you, surprise and mistrust evident in her intelligent face. And what business is it of yours, outsider? Veux dire qu'elle traîne. Vous êtes là pour savoir où elle en est. On s'impatiente en haut lieu. She twitches, worry creasing her forehead as she begins. I'm trying to fix up this delivery device. Okay. Same little beauty the order used to wipe out the Black Ring with a side order of elves in the last war. But I've reached the end of my tinkering abilities. Not my fault. But only the original creator could fix it now, and she'll be along any day now. Hmm. Je me demandais pourquoi elle cherche non. Quel créateur de cette machine? A lizard named Mahanig. Crazy smart, crazy all round really. She should get here from Paradise Downs any day now. Anag, on la connaît celle-là, non? C'est pas la prostituée. Non, c'est pas. Non, je sais pas. Queen Justinia's orders, of course. De la reine Justinia. It delivers death fog, of course. This is a slightly modified version of what the order used during the war. Ça fait de la... Le truc de la mort, c'est cool ça. Prière mortelle, diff.
sans le savoir, apportée aux elfes, une maîtresse de portrait de lézard au nom de Danag se trouve dans une ferme pas trop loin d'ici. Ça marche. Ça marche. Maybe. No. Maybe. No. Faisons découvrir l'aide dans la grotte. Doit bien y voir autre chose qui nous sera plus utile par ici. Dans la grotte de naufrage, une lettre destinée à une certaine Anag. Elle mentionnait qu'un diffuseur de brouillard mortel avait été endommagé et était en cours de réparation. J'espère que. Ça va, elle s'en fout qu'on lui pique tous ses bouquins, c'est cool. La poule devrait faire cote, papiou, ça fait hérétique. C'est vrai qu'elle est bizarre cette poule, hein. C'est une poule du néant. À quoi elle va servir après. Ah putain, il a. Merde, on peut pas se téléporter, nous on a pas de. Ah, fais chier. On a pas de téléportation. Merde. On y reviendra. Quoique, dans un sens, j'ai pas envie de toucher tout ça, j'ai envie d'y devenir avec le. Avec le prince. I'll chew the beating heart from you. I'll kill you stone dead. I'll do you harm. I'll do you harm. I was on the peacemaker and I'll do you harm at the elbow. I'll do you harm. Saw nothing but smelled everything. Smelled life, smelled death. Smelled it seeping out of the barrels. Death. Death sailing into the rocks. Si je tue la poule, elle meurt. The rat crouches low and gives you an evil look. Bonne nuit, Amalia. Huh. Ain't no way out but an hole in the ground, an hole in the ground. Demain stream aussi, donc si tu veux revenir. Ha. Dig your hole wherever you like, dig your hole wherever you like. The void is coming and all is not. The rat crouches low and gives you an evil look. Oh, y a plein de trucs à regarder. Non, on va pas faire ça. I wonder where the others might be. Fais voir toi. Putain, toi t'as des œufs partout. Ah tiens, on est à côté du. Il y a une anéante ici. Ah, fait chier. Bon, ce qu'on va faire pour éviter de faire des allers-retours, là, genre 50 fois les allers-retours, on va tous se téléporter en ville. Et on va revenir tous à 4 en plein milieu du truc. Et comme ça, on combattra et on fera toutes les zones. Parce que sinon, on va perdre trop de temps, ça va être chiant. Il y a plein de trucs à checker et je veux le checker avec le porte-bonheur en fait. En tout cas, le prince a débloqué le voyage rapide. Bien joué au prince. Merci beaucoup le prince. Voilà. You eaten any of your own fish? C'est l'heure de regarder un peu ce qu'on a récupéré. Alors. Ça. Putain, on en a. Ça fait 5, 6, 7. J'en ai d'autres ou pas? J'ai une question, un anneau sort de restauration. Il n'y a pas le bon stat d'armure. Puis je récupère le sort de l'anneau pour le mettre sur un anneau mieux que lui. Non, on peut pas prendre les sorts des anneaux.
Merci pour le follow et bienvenue. Je crois qu'on a tout identifié. Elle a que des morceaux d'humains. Ouais, on a tout identifié. On va prendre 5 petites minutes. On va regarder l'équipement vite fait. Ça vaut le bien, ça vaut le bien. Bouclier en métal, ça on le garde de côté. En fait, il est pas mal. Esquive, châtiment, force. 20% de renvoyer de dégâts au corps à corps. Par contre, il a que 5% de chance de bloquer. On va le mettre au prince, peut-être que ça sera bien. Merde. Change, merci. Ifan. Force. C'est de la merde. Ça, on vend. Art de la guerre, pyro. C'est de la merde. Le bouclier 10%. Non, c'est de la merde aussi. Une dague. Applique cécité. Cécité, c'est pas mal. Mais les dégâts, ils sont très bas quand même. Hein. Ah oui, il y a cécité et silence, 10%. Nous, on a suffocation et que dalle. Non, c'est du bleu, c'est de la merde. Ça, art de la guerre, nécro, troc, constitution. On a constitution, maître... persuasion, non. Constitution, commandement. Il n'y a pas commandement, on perdra commandement, c'est un peu chiant. On peut mettre une pierre aussi, c'est bien. Chasseur nécro, là on a... Pff, on a le troc qui pourrait être utile, mais bon, pas vraiment. Ça c'est un peu le collier qui est bien, qui a des bonnes stats, mais qui est un peu pourri, quoi. Enfin, qui n'a pas les bonnes... les bons attributs. Là, on a deux nécro. Pff, non. Peut-être Sébile à la limite, constitution. Non, fripouille 2, maître de. Non. Non. À la limite, lui, pour l'art de la guerre, ça va lui augmenter les HP aussi, mais bon. On perd commandement et commandement, c'est pas mal. Celui-là de bouclier, il est mieux ou pas? Il a plus d'armure physique, moins de magique. Fort châtiment, esquive. Ouais, on va voir. Nécro-aéro, je crois qu'il n'y a personne qu'on a besoin. Hydro. Toi, t'as besoin d'aéro, à la limite, toi, tu peux te... On peut te changer l'anneau, 33-43. Tu perds un peu de PV, mais tu gagnes un peu de... Pff, c'est vraiment des petits détails. Brise-mile à deux mains, 45-50. Là, on a combien? On a 49-54, donc on a toujours mieux. Force applique lenteur. Là aussi, ça applique lenteur. Donc au final, c'est de la merde. Bon, on a plein de choses, mais c'est de la merde. Alors, sur une armure, augmente physique maximum 30%, c'est pas mal ça. What do they call her? The axe? The hammer. Hope you're wrong. Time will tell, I suppose. Fais voir du coup, t'as
496 d'armure physique. C'est pas mal, ça. Bonne soirée, Ardent. Merci d'être passé. Ouais, on va peut-être lui donner à manger à la... Non, on va pas te mettre cette pierre, c'est du gâchis. Hein. Non, on va pas te mettre ça parce que cette pierre, elle est trop utile. On va la mettre sur... sur quelqu'un d'autre. Après, on a que des défenses élémentaires, en fait. T'as quoi comme défense élémentaire? On va te mettre défense au feu, vu que tu fais pas mal de feu. Est-ce qu'on a feu? On n'a pas feu, tu vas voir. On n'a pas feu. On n'a pas feu. Tu fais chier. On va te mettre ça. Par contre, elle, on va lui changer des trucs. On va lui rajouter la pierre, la grosse pierre qu'on avait récupérée la dernière fois, en fait. Dégâts plus 13%. Maintenant, on est à 29-31. 96-106. Ça va, elle a des bons dégâts maintenant. C'est l'heure de vendre. On n'a rien à acheter. Ça, c'est un problème. Peut-être en objet. Est-ce que t'as des trucs intéressants? Niveau 9, niveau 12. 44-52. Des PV d'Ex 2. Bon, chasseur, on perd un chasseur. Ça, c'est un peu chiant. On gagne en... On a lenteur, c'est pas mal. Un peu des trucs de merde. On trouve pas de bon. Enfin, plus trop de super équipement, genre. J'ai envie de prendre l'arc, d'acheter l'arc. Juste pour être vraiment optimal, quoi. En plus, ça fait de lenteur, c'est pas mal. On perd juste le 1 point de chasseur, mais on gagne de la vie. T'as des dégâts de terre de base. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les dégâts de terre? En rajouter encore? Ouais. Buying or selling? Allez, on se casse.